Et salut à tous les frérots, salut à toutes les légendes, j'espère que tout le monde va très bien. Et aujourd'hui, on va jouer de nouveau un Gogeta, mais pas le Gogeta Ultra, le Gogeta 4 dans une team que j'avais joué pour le troisième anniversaire, pardon, déjà. Ça va très vite avec Vegeta Violet, Vegeta Number One, une team full offensive où le perso était ultra impressionnant dans ce qu'il était capable de faire offensivement avec l'aspect que générait Vegeta Violet. Bref, les pivots, les deux caps de Zenkai, bref, c'est la team pour Gogeta. Si vous voulez voir une team où Gogeta 4 brille, franchement c'est celle-là parce qu'il va absolument tout faire de toutes les games. Alors évidemment, les deux autres vont énormément servir pour pivot, ce qui ferait qu'il ferait pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que de lui-même, c'est lui qui va faire les kills. C'est souvent lui qui va faire un ulti dévastateur, qui va mettre des doubles spé. Bref, vous allez voir le perso, c'est incroyable. Et pourquoi je le rejoue? Parce qu'il y a deux raisons réelles. C'est que j'ai quand même droppé des doublons sur le perso. Donc vraiment, on s'approche de sa 9ème étoile. Même s'il me manquerait un doublon et je lui mettrais 100 PC d'élève et ça passerait. Mais bon, malheureusement, on l'a pas ce petit doublon là. Mais bon, ça serait cool de avoir 9 étoiles quand même un Gogeta 4 parce que ça changerait quand même pas mal de choses niveau statistique pour le personnage. Mais vous allez voir dans la team là, vraiment le perso il est ultra impressionnant, c'est un truc de fou. Et voilà, voici la team. On a deux caps de Zenkai, on a Goku Namek pour en plus de ça augmenter le côté offensif. Et surtout que bah il y a quand même pas mal de caps ZF, hein, Vegeta Number One, Super C17 et le Goku SCG3. Et ce qui a renforcé également cette team, c'est le leader, parce que du coup Vegeta Violet donne les boosts à toute la team et bénéficie également des boosts que avant ce n'était pas le cas, notamment avec Super C17. Donc c'est vraiment vraiment pas mal au niveau des équipements. Alors faut que je m'explique, faut que je m'explique. J'ai un équipement à lui mettre à la place de celui-là, mais vous inquiétez pas, vous allez voir, il est A, mais OZEF. En fait, si vous voulez, j'ai celui-là en S qui est pas si mal que ça en vérité. Alors, regardez la première ligne, ok. La deuxième, elle est à 27 sur 35, donc c'est quand même vraiment pas dégueu du tout. Mais c'est juste que la dernière, je suis à peu près à 300 ou 400 gommes et ça ne veut pas tomber. Je sais pas si c'est possible, je suis en train de poser la question, si cet équipement n'est pas bugué. J'ai mis au moins 300 ou 400 gommes, il ne veut pas passer avec l'effet d'anti-rivage. Donc du coup ouais, je suis obligé de prendre celui-là. Mais en fait ce qu'il y a sur celui-là, c'est que la première ligne est un peu catastrophique. Sur voilà, sur 35 elle est défensivement catastrophique. Mais dans la team là, c'est pas ce qu'on cherche défensivement. C'est vraiment pas ce que je cherche, c'est vraiment offensivement. Donc c'est là où c'est pas si grave parce qu'on a quand même 28 sur 35 et qu'on a l'effet. Donc au final vraiment pour le coup l'équipement il est très bon dans cette team là. C'est juste la première ligne, mais comme je dis, c'est pas vraiment la défense qu'on va accentuer le perso. Ici c'est pour mettre des dégâts d'ultime et dégâts d'SP. Et puis bah vous allez voir, le perso va être absolument incroyable. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et si vous voulez voir du gros Gogeta 4, c'est dans cette vidéo. Voilà, c'est exactement cette team là les gars que je visais. C'est vraiment cette Saiyan, enfin cette Super Saiyan, notamment avec double bleu, Bardock et Gogeta. Vraiment cette team là est quand même vachement présente. Et même face à Fusion, c'est hyper intéressant. Et là vous allez voir que bon, faut faire gaffe à Super Vegeto. Mais la vérité que Gogeta sur un bleu, il va être incroyable, hein, vraiment. Et on a tellement de réductions de temps à temps dans la team que on va très certainement se retrouver à chaque fois face à un bleu. Bon bah c'est parti pour Gogeta Time. Ok, c'est parti. Ah oui, c'est vrai qu'on est lundi matin. Lundi matin les mecs ils bug là. Oui c'est vrai. En effet, les lundis matin c'est infâme. Ne jouez pas Dragon Ball Legends les lundis matin, c'est une très mauvaise idée, je vous le dis. La preuve en est. Ouais, la preuve en est bel et bien les gars, regardez-moi ça, comme c'est bien dégueu. C'est bien dégueu. Ok. J'ai un peu peur là de ce qui va se passer pour moi parce qu'avec l'anti-cover et tout, je peux rien faire. Là pour l'instant je peux rien faire à ce qui m'arrive, hein, je vous le dis les gars. Il a l'anti-cover, je suis obligé de mettre Gogeta 4 contre type. Waouh. Ça va faire mal ça quand même, hein. Ça va faire très mal. Là il va nous mettre une grosse pression le perso en face, hein. Genre ça, ouais. Ok, ça c'est parfait. Waouh, on était pas loin du one shot les gars. Oh le délire. Est-ce qu'il va tenter une spé là? Quelque chose? Parfait. Et là on va accélérer la game. On va accélérer la game, c'est le moment les gars. Ok. Putain mais il a tout le temps les bonnes tempos avec les lags les gars. Vous avez vu ou pas comme ça l'avantage les lags? Il a tout le temps les tempos notre joli frérot en face. C'est magnifique.
Perfect Dodge derrière. Allez, mon grand. Vas-y, mon grand. Vas-y. C'est très bien ce que tu fais là. C'est très bien. Non, mais c'est horrible. C'est absolument horrible, les gars. Mais c'est les mecs qui sont trop chauds avec les tempos. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. C'est-à-dire qu'on joue au même jeu. Il y a des tempos. C'est horrible avec les lags. Je sais même pas quand je fais un pas de côté. Et le mec, parfait. Il y a un pas de côté. Il tape direct. Ça passe. C'est bizarre, quoi. Et les mecs sont bien classés. C'est un hasard. Et c'est le lundi matin. Il y a vraiment des choses bizarres hein, dans le jeu. Ouais, Rising Rush pour toi. Allez, on va essayer de mettre la sauce. Hein. C'est à nous de mettre la sauce maintenant et essayer de prendre l'avantage dans la game. Vegeta violet est mort. Vegeta number one est mort, my bad. Donc, va falloir faire gaffe quand même. Hein. Ça passe, mais je sais même pas si on a le kill en vérité. Hein. On nous a dispel, donc... T'as le dispel qui nous fait trop mal. Oh là là. C'est terrible. C'est exactement le même tempo que j'ai fait tout à l'heure, ça l'avait passe. Pas de carte, je peux pas jouer. Deg. Et ouais. J'ai aucune carte. J'ai aucune carte. Ça me... le jeu il me drop une spé une verte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Le jeu qui me drop une semaine verte, ça m'arrange pas du tout. Ok. Bon bah Gogeta time, hein. C'est parti. Je sais pas, si je la gagne celle-là, je sais pas comment j'ai fait. Hein. Je vous le dis les gars, je sais pas comment j'ai fait. Non mais sincèrement, je sais pas comment j'ai fait si je la gagne. Perfect dodge. Elle est dégueulasse cette game. Oh là là là, monsieur dame, comme elle est dégueu cette game. Oh. Allez, toi t'es mort. On va la gagner quand même. Alors si on la gagne, c'est un truc de ouf. Hein. Si on la gagne, c'est un truc de ouf. Hein. Avec tout ce qu'on a pris comme karma. Je crois que je vais même LF. Hein. Après avoir râlé toute la game. Après avoir râlé toute la game. Après avoir fait je sais pas quoi. C'est n'importe quoi cette game. C'est horrible. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Regarde, en plus il déco à la fin. Je vous dis... Le mec, il a le profil typique du mec que tu veux pas affronter en PVP. Le mec, il lag. Le mec, hyper fake dodge. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Un LF et la déco. Je lui ai dit, c'est le kit complet. En général, ces mecs-là, ils ont le kit complet. C'est incroyable. Ben, je suis bien content de le gagner, je vais pas vous mentir. Bon, face à cette team-là, ça peut être intéressant. En vérité, même si là, il y a quand même beaucoup d'étoiles. La vérité, mon Gogeta 4 est moins étoilé que tous ses persos quasiment. Donc, c'est quand même vraiment compliqué. Et surtout, il y a Zama Black aussi. Zama Black, il est vraiment embêtant. Bon bah c'est parti. Allez, oh on a la... Oh ça c'est bien ça. On a le petit open qui peut être sympa. Je vais mettre Vegeta number one parce que bon on reste quand même sur un personnage de type violet en face donc... Une deux pas switch d'ailleurs. Wow. Ça va qu'il y a des KZ dev dans la team. Sinon on aurait déjà péri à ce qu'il vient de se baser. Ok, ça c'est très cool pour nous. Waouh, les dégâts déjà. Je peux pas jouer. Ok, je sais pas quoi faire. Je crois que je suis obligé de me faire taper là-dessus, les gars. Franchement, bah, je peux rien faire. Je peux rien faire et je peux pas. Voilà, lui il peut faire ça, moi je peux pas. Ok, ça va, ça va. Là au final, l'aspect va pas prendre les kills. Même si quand même des gros dégâts, mais il va pas prendre les kills. C'est là où on peut prendre l'avantage dans la game. Ça fait quand même très mal. Ok. Ouais, j'ai juste un number one là-dessus. Le problème, c'est que j'ai toujours pas le main en fait. Donc, je réduis la durée de l'attente. C'est pas mal, mais. Bah, alors là, Rising Rush tous les jours de l'année. Rising Rush tous les jours de l'année ici les gars, vraiment vraiment faut le faire parce que là il est hyper intéressant. Prendre Zama Black rapidement sans avoir besoin de main, je sais pas quoi, là c'est parfait. C'est juste parfait, mais là où il gagne les games pour moi c'est le main de Zama, le passif de Zama Black qui me bloque les mains, c'est ça que je voulais dire. Ouais, pas facile à dire, mais c'est pas fini encore. Là on est bien en vrai. Bien joué. On voit un peu nullifier le type, donc il peut mettre à la limite le Goku Tag, c'est pas trop grave. Il va verte non pour me détruire une grande carte. Ok, on va essayer d'enchaîner les cartes ici pour prendre le kill. Je pense qu'on l'a.
Je pense qu'on l'a, les dégâts de Gogeta sont absurdes. Et de toute façon, au pire, sinon il met le Trunks. Donc je sais pas si c'est une bonne idée pour lui. Donc là, je pense qu'on prend le kill. Oh, ce serait incroyable en vrai. Oh, mais quel GOAT! Putain, mais quel monstre! Il est trop trop fort. Putain, c'est un truc de ouf en vrai. Ouais, donc 48 tempo ici. J'ai plus de ki. Il va nullifier le type s'il veut. Ok. Ok, ça passe pour lui. Ok, je suis dans la sauce. Strike, allez. Oh, je suis dans la sauce, si ça passe. Je suis dans la sauce. Non! Je pense que je perds la game. Je pense qu'on meurt déjà pour commencer. Trunks trop fort. Ah là là, 3,5 millions. On n'a pas 3,5 millions de PV. GG à lui. GG à lui, Trunks trop fort. Trunks trop trop fort. Il va même LF. Ok. Bon, je pense pas qu'on puisse faire une remontada ou quoi, mais... Ah, bien joué. Bien joué à lui, c'est terminé. C'est terminé, GG à lui. La grosse game de Gogeta, mais... Oh, la team en elle-même, elle est trop forte en face. Elle est vraiment trop forte. Ok, bon, nouvelle team fusion. Ok, donc team fusion dit SV. SV est pas hyper étoilé, donc en vrai, ça va. Sa team, en vrai, genre, ça va. Je pense qu'on a une petite fenêtre d'ouverture qui peut être sympa. Et vraiment, bon, Gogeta peut nous mettre la misère. Mais on peut lui mettre aussi. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on le tue rapidement. Parce que comme sinon, derrière, il va nous lock et nullifier type. Et là, on va mourir. Si nullifier type, par contre, je peux pas me cacher derrière cette carapace. SV n'a même pas été pick. Je pense que je pouvais pas rêver mieux en vérité. Donc ça c'est une bonne chose. Je vois bien le break ici quand même. Va-t-il break notre ami? Ok. Parfait. Il va break là non? Il va cover pardon. Ok. Oh là là, les dégâts qu'on est en train de caler à cette team. Regardez, c'est parti hein. Il est trop fort. Ok, donc ça limite c'est pas trop grave. On met Vegeta number 1 direct les gars. Direct on met Vegeta number 1, on réduit le Q, on réduit la durée mise en attente. Ça c'est hyper fort. En vrai je mets une direct. Je verte aussi. Je pense pas qu'il ait écouté pas de côté ici les gars. Au final je pense que si. Ça nous met pas hyper bien. Il a moyen, il est rising rush. Hein. Ok, ça va. On peut être Vegeta number 1, mais au final, c'est maintenant qu'on aurait dû servir du main. Mais bon, on aurait peut-être pas résisté au final à tout ça. Donc, ça c'est parfait. Gogeta 4 qui arrive déjà. Ça, on va le prendre volontairement. Ça, c'est pas fait exprès. Ok, ça c'est cool. Allez, Rising Rush sur Oob. La première spé, j'ai fait exprès de la prendre, sinon il est Rising Rush, les gars. Et la deuxième, j'ai pas fait exprès, par contre, mais bon, ça c'est le jeu. Ça nous a fait très très mal. Je pensais qu'en fait il allait Kikoa et j'ai. Je pensais qu'il allait Kikoa. Je pensais pas qu'il allait faire un truc aussi obvious. Et au final, c'est passé et c'est le genre de move en vrai qu'on voit pas beaucoup le double spé parce que ça passe pas non plus souvent. Ça c'est fort le Perfect Dodge ici. Je reconnais le Perfect Dodge qu'on me fait celui-là. Tu vois, c'est souvent celui qu'on me fait. Je vous avoue que je me rends compte à quel point il est fort. Ok. Bon. Une petite verte ici, non? On va tenter la carte verte. Si on contre, vraiment, ça serait hyper cool. Vraiment, vraiment, avec le soin de Vegeta number 1 et tout, ça aurait été ultra carré. Ok, bon, on va essayer de... Va falloir placer l'ulti sur un de ses persos. Si on place l'ulti sur un de ses persos, on prend l'avantage. C'est sûr et certain, mais... Bien joué, il s'est pas fait avoir lui. Bien wesh, ouais, bien wesh, ouais, bâtard. Bien wesh, ouais, je suis obligé de switch ici, il me met la pression. Bien joué à lui, bien joué à lui. Je pensais pas qu'il allait. Oh, je vais peut-être demander la feuille. Pas placer l'ulti dans cette team là, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Ok. Les gars, je suis stressé là. Ok, c'est moi. Non, c'est lui. Non, c'est moi. Non, c'est lui. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Ok, on a la Kikoa boostée. On a la Kikoa boostée ici. Il y a moins que ça passe. Allez, il va me lock derrière. Il va me lock derrière.
Mais quel monstre ce perso, il est trop fort les gars. Il gagne la game avec ça, je pense. Oh, on l'a peut-être, on l'a peut-être. Rising Rush ici, je pense qu'on l'a parce que l'aspect il va pas la deviner. Je pense qu'on l'a les gars. Il y a moyen qu'on ait le... Ok, ok. Ok. Et bon, la game les gars, ça fait... Bah, c'est grâce au deuxième Rising Rush, mais vraiment Gogeta 4 trop fort. Mais son Gogeta à lui, vous avez vu, Gogeta Ultra, il est horrible. Il te lock, t'as plus de TP, tu peux plus rien faire. C'est beaucoup trop fort. En tout cas, merci à tous les gars, vous m'avez soutenu dans cette game. Ça fait plaisir et on la win. Alors, bon, on a peut-être la team parfaite de Showcase les gars. C'est celle-là, c'est Fusion sans Vegito Violet. Donc ça, c'est parfait, c'est vraiment parfait. On croise un Gogeta, nickel. C'est dans cette team-là, je pense, et dans cette game-là, je pense qu'on va voir le plus ce que je veux vous montrer dans notre team, parce que il y a quand même des match-ups avantageux et des full violets. Pour l'instant, j'en ai pas croisé une seule ce matin. Pour vous dire, il y en a quand même un peu moins, alors qu'avant, c'était 90%. Ok, bon, c'est parti. Allez, let's go. Faire le maximum de cartes avec Vegeta Violet. Oh, là, on a un open qui peut être fort. Allez, c'est parti. Gogeta 4. Voilà. Regardez sur Oub. Hein. Oub il est quand même très très étoilé. On est en début de game et on n'a pas fait passer Vegeta number 1. Donc. Ça c'est pas très grave. Il nous a fait perdre notre cover à la limite. Bon, c'est un peu embêtant mais sans plus. Parfait. Je vais break ici. On va mettre l'aspect en vrai. On va la caler quand même. Ça aurait vraiment pu passer. Sans troll, ça aurait vraiment pu passer parce que savoir la deuxième spécie, elle était pas vraiment obvious en vrai. Oh oh. Oups, parce que là il va regagner le lucky qui lui a enlevé donc ok. Oh là, on est trop bien. Pas fait le pas de côté. Oh, bien joué. Ça c'est trop bien joué par contre. Oh, il a pas fait le pas de côté là-dessus. Oh, je suis dans la fouche. Oh, je le voyais tellement faire le pas de côté là-dessus. Ok. Bon clash. Oh, il fait un meilleur clash pour une fois que je fais un bon clash. Dans la vidéo d'avant, je vous dis, je fais des mauvais clashs. Là, je fais un bon clash et ça passe pas. Mais on est où? Mais on est où? Oh là là, première fois que je fais un bon clash. 988, il fait 998, mec. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On contre. Ah, ça, c'est une bonne. Ça, c'est bien en vrai, juste pour donner le pivot. En vrai, c'est pas vraiment non plus là. Non, je pouvais esquiver ici. Je fais des misplays. Il avait encore l'esquive là? Il a regagné l'esquive ça veut dire? Oh non. Par contre, regagner l'esquive ça fait un peu mal là. Ok. Ça aussi ça va faire mal. Ça aussi ça va faire mal parce qu'ici il est mort. Après par contre s'il donne oub, je suis dans la sauce. Voilà. Là il donne oub les gars et je suis lock en fait. Donc là je suis dans la sauce. Putain c'est trop fort. C'est trop fort Gogeta aussi. Hein. 4 millions. Il va Rising Rush aussi? Non même pas. Ok. Il l'a pas. Parfait. On va peut-être la win quand même, hein. 4 millions, on a mis quand même, par contre. Vous vous rendez compte, 4 millions. On a mis 2 cartes, 4 millions. Son ulti, c'est n'importe quoi dans cette team, hein. Mais vraiment, 4 millions. Parfait. Je pense qu'on a la game ici. Magnifique, magnifique pour terminer, c'est hyper fort et vraiment je tiens à dire on n'a pas non plus croisé des Broly, LF, des trucs comme ça donc ça aurait pu être encore mieux, bah vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je vous jure le showcase lundi matin c'est trop dur à faire avec les lags, les mecs qui... Bah, le lundi matin je sais à chaque fois, je le sais à chaque fois, il y a plein de gens qui sont dans les transports pour aller au boulot, pour aller au lycée ou quoi, même si c'est les vacances scolaires, c'est dans d'autres pays, c'est pas forcément le cas. Et vraiment c'est abusé. Mais bon, en tout cas merci d'avoir été présent. Et on se dit à très vite pour du Gogeta 4 encore une fois. Et dans cette team là il est trop fort. Vous avez vu les dégâts, c'est n'importe quoi. Allez ciao.